Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme film aujourd'hui? C'est la sortie de Star Wars 7 aujourd'hui. C'est la sortie de Star Wars 7 aujourd'hui. Tu vas donc faire la profanation de Star Wars, la menace fantôme. Je vais donc faire la profanation de Star Wars, la menace fantôme. Tu es un con. Je suis un con. Et merci, ça t'arracherait la gueule. Les Jedi et tous des impolis. La clique des mécaniques sans surface a une nouvelle sornette. Quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Merci, c'est toujours sympa. Je suis l'ambassadeur envoyé par le chancelier. J'emmène ces personnes à Coruscant. Où les emmenez-vous? À Coruscant. Mais avant d'arriver à Coruscant, Qui-Gon et toute son équipe doivent faire une halte à Tatooine. Ils y rencontreront le jeune Anakin Skywalker qui est déjà très porté sur les femmes. Je suis pilote, tu sais. Et un beau jour, je finirai par m'envoler de cette planète. Ma petite cougar. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Bizarre, ça marche d'habitude. Je dois être un peu rouillé. Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Pitette? Pitette? Vous êtes venu pour nous libérer? Non. Non, petit, tu restes dans ta merde. Désolé. Et est-ce que quelqu'un a pu toutes les visiter? J'en doute. Je veux être le premier à toutes les explorer. Fais déjà tes lacets tout seul, on en reparlera après, petit. Et un concurrent de dernière minute, le jeune Anakin Skywalker, un indigène. Anakin Skywalker, un pauvre esclave dont tout le monde se fout. Hey! Oh, pardon. Chaskruni da paslimo. Les marteaux, tu ne connais pas évidemment. Non, bien sûr. Quelle question. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Enchanté. Vous êtes un Jedi, vous aussi? Ravi de faire votre connaissance. Ça va? Il fait très froid. Si tu pouvais me réchauffer avec ton corps. Oh, Padmé! Oui! Attention quand même aux petites palpatines, hein. Parce qu'il joue à double jeu, à mon avis. Je le sens. La meilleure solution serait à coup sûr de favoriser l'élection d'un chancelier suffisamment fort pour tenir tête à tous les bureaucrates. Les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. Non, je ne crois pas que les Sith aient pu revenir sans que nous le sachions. De voir le côté obscur, difficile il est. Oh, voilà l'autre qui parle n'importe comment. C'est pas parler français, Yoda, non? Comprends rien à ce qu'il dit. Si cette assemblée est incapable de réagir, je lui suggère de changer de présidence. Je demande la mise aux voix d'une motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum. Une coupe? Un vaisseau? Un speeder? Intéressant, tu es. Gungan pas y passer sans combattre. Nous sa grand guerrier. Nous sa grande armée. Pour ça, vous s'apprécie pas nous aussi, mis sa pense. Altesse, le sénateur Palpatine est pressenti pour succéder à Valorum comme chancelier suprême. Une surprise, assurément. Dès que nous aurons atterri, la Fédération va vous arrêter et vous obliger à signer le traité. Je suis d'accord. Je suis la reine Amidala. Une de mes fidèles suivantes me sert de doublure pour garantir ma sécurité. J'ai dû recourir à cette supercherie car la situation l'imposait. Peut-être, bons amis. On deviendra amis quand t'arrêteras de nous cracher dessus, hein. Viens te battre face de tomate. Fais défoncer mon gars. Allez viens, viens. Mais que tu prennes avec toi cet enfant comme disciple Padawan, pas d'accord je ne suis. Maître Yoda, j'ai donné ma parole à Qui-Gon. Je formerai Anakin. Façon toute, ne m'écoute personne. Il
n'y a aucun doute, le mystérieux guerrier était un Sith. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti. Mais lequel des deux est mort? Le maître ou l'apprenti? Faut que je trouve un autre apprenti, fais chier. Voilà, c'est la fin. J'espère que cet épisode sur Star Wars vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, que la force soit avec vous.